Salut à tous, donc on s'est levé tôt ce matin, on vient de Bordeaux et direction le Lot-et-Garonne pour une journée un petit peu spéciale. Aujourd'hui on se retrouve au lycée Étienne Resta pour aller récolter du houblon frais pour la jour J de l'effet papillon. On va retrouver Baptiste, on vous montre ça de suite. Donc nous, on est content ici au lycée de démarrer la récolte de houblon bio, puisque il est bio depuis cette année par ce brassin-là. Donc on participe à ce brassin houblon frais. Donc on est très content de pouvoir se tester, démarrer la saison du mieux possible avec cette belle collaboration. Tout récolté, du coup là on va vite se dépêcher d'aller à l'effet papillon à Mérignac pour leur livrer le houblon frais. On est en route, on y est dans 1h30. A de suite. À notre petite échelle, c'est cool de pouvoir le faire avec des houblons locaux et pas des houblons qui viennent de l'autre bout du monde. Sur le choix des partenaires, c'est sûr qu'il n'y a pas photo pour supporter à notre petite échelle un peu plus la filière locale. Cône frais ou cône séché, en définitive, ça revient un peu au même. On est un peu des feignasses, les brasseurs, donc c'est sûr que c'est plus contraignant. C'est pour ça que nous, pour tous les jours, on choisit plutôt de brasser avec du pelé. Maintenant, on passe notre temps à subir des difficultés, entre guillemets, parce qu'on le veut bien, aussi parce qu'on veut mettre en œuvre pour faire des recettes un peu originales. Donc là, il n'y a pas... C'est une difficulté, mais tout simplement de par la façon dont le matériel est fabriqué. Mais en définitive, c'est pas non plus... pour une fois par an, tout va bien. Du coup, être équipé d'un hop-back, c'est pas mal déjà. Maintenant, si vous en voulez un qui soit dimensionné pour la taille que vous brassez, c'est vrai que bah, nous, on en a un, mais il est clairement sous-dimensionné pour une bière de récolte. J'ai pas de conseil particulier. Essayez de faire un mash bill qui soit pas trop proéminent, enfin pas trop travailler une base maltée complexe, de manière à laisser la place au houblon. C'est du houblon qui est frais et qui est pas séché, donc qui est forcément plus discret. Ouais, c'est pas hésiter à se faire plaisir sur les quantités, même si ça fait des photos instagrammables avec des jolies cuves remplies de cônes frais. Et puis non, je conseille à tout le monde d'en faire. Ça permet d'avoir une éphémère pas trop compliquée, pas trop besoin de se creuser la tête. C'est une fois par an, c'est cool à brasser. Et si ça peut être fait avec des acteurs locaux, c'est clairement encore mieux. Sinon, je vois pas vraiment l'intérêt.